Pourquoi, lorsque le bateau coule, on crie les femmes et les enfants d'abord? Parce que comme ça, après, les requins, ils ont plus faim. Ah, c'est malin. C'est pas drôle, mais c'est malin. C'est tout moi, quoi. Mon film préféré de tous les temps, c'est Les Dents de la Mer. Et force est de constater qu'il ne s'agit pas du seul film de requin, malheureusement. D'ailleurs, il y en a un bien con qui arrive bientôt. Mais bien con. Parce que le genre film de requin a accouché d'au moins un chef-d'œuvre, mais de quantité de bêtises, voici notre top 3 des films de requins les plus cons et donc également les meilleurs. Shark Knight 3D, ou tout simplement Shark 3D chez nous et Requin 3D chez les Québécois, est un film idiot sorti en 2011. Le pitch, des jeunes vont faire la fête sur un lac, mais il y a des requins qui les mangent. Alors, c'est complètement débile, mais on aime ce film pour deux raisons. Déjà, il y a plusieurs espèces de requins. Et ça, c'est plutôt chouette, on respecte tout le monde et tout, mais en plus de ça, ces requins sont libérés par des ploucs méchants. En fait, c'est un slasher avec un grand requin blanc à la place du couteau ou de la hache, quoi. C'est subtil. Subtil. Un concours de bikini en pleine montagne tourne au drame quand des requins des neiges attaquent tout le monde. C'est le Citizen Kane du film de requin. Exactement. Now, if they're going to make it off the mountain in one piece. They swim through the snow like other sharks move through water. They'll have to fight back or become shark bait. Tu l'as vu? Ouais. C'est magnifique. Je n'en doute pas du tout. Alors là, attention, c'est du costaud. Dans Shark Swarm, requin l'armée des profondeurs en français, un scientifique libère une toxine permettant aux requins de former des essaims, un petit peu bah, comme les abeilles. Voilà. Et il y a Daryl Hannah dedans, dans le requin. Lord help us. Un téléfilm diffusé il y a 10 ans qui dure 2h47, c'est long comme un Seigneur des Anneaux. Hein. Mais c'est au moins aussi bien. Oui, au moins. Alors en attendant The Meg, regardez ou re-regardez Shark Swarm, Shark Knight 3D et Avalanche Sharks, c'est du tout bon. C'est les dents de la merde, quoi.